Salut à tous, FBOS, le retour, ou la volonté de me nuire, troisième épisode, ou quatrième, je ne sais plus où j'en suis. Le troll qui est derrière FBOS remet ça. Non seulement, cette fois-ci, il n'est pas passé par un compte Mastodon, parce que c'est trop facile à te faire détruire, il est passé par une page WordPress. Et bien sûr, pour me nuire au maximum, il raconte des conneries sur mon compte. Déjà, Edin, je ne soutiendrai jamais une telle saloperie, parce que c'est une saloperie pour moi, parce que déjà, je m'excuse, ça c'est du mensonge. Je n'ai jamais soutenu le moindre projet. C'est la suite de cette vidéo-là. Vous trouvez dans le descriptif. Non seulement il a créé une page WordPress, il a fait une ISO à partir de Manjaro Architect apparemment, donc une grosse merde. C'est pas mieux. Bien sûr, tous les éléments pour me foutre cette merde sur le dos sont disponibles. Ma ville de naissance, comme nom de deuxième bêta. Ma ville d'habitation, comme un nom de code de la première version finale. L'utilisation de mes initiales, en disant que je suis timide. Faux. Je ne suis pas timide. Je ne soutiens pas cette merde. C'est qu'une différence de taille. Et bien sûr, pour terminer, et pour me foutre encore plus dans la merde, utilisation du fond d'écran que j'ai décidé de mettre en place. Donc, c'est sympa. Très sympa. Donc là, c'est cool. Je suppose qu'il a dû faire une capture d'écran ou autre chose de ce style, ou se débrouiller pour le récupérer. Bref, je ne sais pas comment il a fait. Et ça, peu m'importe. Et dernière, vers Nuise Omega, que je vous conseille de télécharger, sauf si vous voulez choper une gastro-entérite monstrueuse. Ça aurait pu passer. Mais le pire, c'est que cette espèce de troll, il a carrément mis l'ISO sur les attentes de DistroWatch. Et ça, ça passe pas. Voilà. Donc, j'ai écrit à notre ami Jesse de DistroWatch avec ce courrier. Bon, j'étais un peu énervé, il y a quelques fautes d'orthographe. Et je termine le courrier en disant, s'il te plaît, enlève cette merde de la liste d'attente. Merci beaucoup. Je ne sais pas combien de temps ça sera sur la liste d'attente. Je suppose que ça sera détruit dans les heures qui viennent. J'avais déjà prévenu, enfin déjà, ça fait penser un peu au principe qu'il y avait lieu à l'époque quand TNV avait soi-disant été ajouté à la liste d'attente. Baba Oran m'avait poussé une gueulante. Maintenant, moi, c'est très simple, que ce troll continue. Si un jour je peux l'avoir légalement et le foutre dans la merde légalement, je le ferai. Parce que déjà, entre me vouloir me nuire, me foutre une distribution pourrie sur le dos, et maintenant rajouter ça sur DistroWatch, ça commence à faire beaucoup. Il faut ignorer les trolls? Non. Il faut les atomiser. Rien de plus. Voilà, je suis resté calme, très calme, ça n'a pas été évident. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et si vous voyez la FBOS, je n'y suis pour rien. C'est simple? Ciao!